Anéa fait des révélations choc et balance ce qu'il lui a fait subir. Elle réagit à son live. Après les révélations choc de Nabil sur les raisons de l'embrouille de Ilan avec le couple Ilona-Julien Bert, le candidat a pris la parole pour révéler sa vraie version des faits. Josepa a confirmé à un blogueur qu'elle était concernée et Anéa a envoyé un long message à Nabil El Moudni pour lui raconter pour la première fois ce qu'elle a subi par le candidat, comme vous pouvez le voir. Après la mise au point de Ilan, Anéa réagit en le traitant carrément de pervers narcissique. Alors, quelle sera la réaction du jeune homme? En attendant, je vous laisse avec les explications de Anéa. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je suis en famille avec mon chien, ma mère, mon beau-père, Akassi. Est-ce que je suis folle, Thierry? Est-ce que tu penses que je suis folle? Pas du tout. Maman? Pas encore. Est-ce que tu penses que je suis folle? Attention, chat. Voilà. Donc, ouais, bref. Ouais, c'est très beau. Cassie, c'est trop beau, les amis. D'ailleurs, vous devriez venir visiter. Donc, en fait, je vous explique. Là, j'ai posté un petit peu des messages. Pourquoi? Concernant le live d'une certaine personne, ok, parce que encore une fois, il essaye de retourner l'opinion publique contre lui. Et j'avoue, il est touchant hein, dans son live, c'est abusé. Mais à un moment donné, genre, mec, tu fais des conneries tout le temps, genre, tu rabaisses les gens, genre, t'es ultra jaloux ou tu fais des histoires de jalousie pour rien. Enfin, là, je vous ai mis exactement très clairement la définition d'un manipulateur narcissique, d'un prédateur et d'un pervers narcissique. C'est exactement ça. Il a toutes les pathologies. Donc, à un moment donné, réveillez-vous, les gens. Enfin, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre. C'est sûr que voilà, il parle calmement, il est super chou, il est très gentil. Mais à un moment donné, ouais, tu peux tuer quelqu'un comme dans American Psycho et paraît tout à fait normal. Mais regardez ses photos, s'il vous plaît, regardez ses yeux. Ça se voit en fait qu'il a un problème. Ça se voit, il fait des crises de jalousie pour rien à Adixia parce que à l'hôtel, soi-disant, il y avait deux couverts. Non, mais qui fait ça? Et qu'elle avec Bastos et tout. Et elle retourne la situation contre elle. Parce que justement, dans le reste du monde, il l'a eu. Et c'est exactement ça, la définition que je vous ai mis. Donc en fait, il l'a eu, il lui a couru derrière. Quand il lui a bouffé le cerveau, il lui fait des crises de jalousie, il la rabaisse. Voilà. Et il l'a fait sentir comme une merde. Ça doit être horrible pour elle. Ensuite, il attise en fait l'opinion publique à son avantage et il met des masques. Il ne reconnaît jamais entièrement ses torts, c'est-à-dire que là, en fait, dans le live, il vous dit que oui, la photo, c'était... Donc, à la base, il a dit, donc il a manipulé la blogueuse aussi, le reste du monde, pour qu'elle poste que c'était un miskin. Mais c'est trop facile, en fait. C'est trop facile de faire du mal derrière le dos des gens et ensuite devant l'opinion publique de se faire passer pour la victime. C'est ça en fait qu'il fait. Il y a beaucoup de candidats, je ne citerai pas les noms, qui font pareil. C'est que pour l'opinion publique, on le voit très bien avec Félicia, il joue une certaine comédie qui n'est pas sincère. Et moi, les gens pas sincères, ça me sort par les yeux. Ça me sort par les yeux. Soyez sincères. Et la force qu'il a, c'est qu'il s'excuse, c'est qu'il dit ou qu'il est désolé parce qu'il sait les répercussions que ça peut avoir et qu'il a un sale passé. Et que voilà, il devrait vraiment mettre le nez dans son assiette au lieu de toujours rabaisser les autres, de toujours croire que les autres lui veulent du mal, qu'on est des merdes, mais que c'est lui. Je dis, mais c'est lui qui fait du mal autour de lui, qui brise des vies. Enfin, heureusement, moi je suis forte, j'ai pu tourner la page, mais imaginez ce que j'ai ressenti quand il m'a fait ça et qu'il m'a jeté comme une. Je vous dis la vérité, moi j'ai pas du tout envie d'en parler parce que très sincèrement, je me sens salie, je me sens complètement utilisée par ce mec et d'avoir subi ce que j'ai subi et surtout qui m'est touché, ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte. Je me dis mais comment t'as pu fréquenter ce genre de mec quoi? Et c'est pour ça que j'ai hyper honte mais je suis obligée d'en parler parce qu'en fait j'ai ma responsabilité, que je peux pas fermer ma gueule. Je ne peux pas fermer ma gueule tout simplement parce que ça veut dire que si moi je ferme ma gueule, je suis consentante. Et qu'en fait, je vais laisser ce mec-là faire toute la merde qu'il m'a fait à d'autres gens. Donc, ne croyez pas que Cynthia est folle ou que Ilona est folle. Je sais qu'Ilona, des fois, quand elle crie, on dirait ouf et tout. Mais elle n'est pas folle, en fait. C'est juste qu'elle est touchée. Et c'est pour ça que lui, en fait, il gère tellement son image, tellement qu'il n'a pas d'émotion. Il ne peut pas être dans l'excès des émotions, etc. Du coup, ben, quand tu parles calmement,
et que tu es très calme et que tu dis que tu t'excuses, et ben tout de suite, voyez la douceur, ça. Mais quand tu pirates des comptes, quand tu envoies des photos de nude, que tu prends en photo tes copines quand elles sont nues pour aller te vanter, les rabaisser, quand tu leur fais des crises de jalousie. Je vais vous parler d'un truc que même Ilan ne sait pas sur lui-même. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec un ami voilà, qui est homosexuel, avec qui je suis très très proche, qui est quelqu'un de brillant, vraiment vraiment brillant. Et bref, on est arrivé à la conclusion que très certainement Ilan avait une sexualité refoulée. Il a énormément de problèmes en fait en lui. Je pense que tout simplement il ne s'accepte pas, il ne s'aime pas. C'est pour ça qu'il a ce genre de pathologie. Et je ne suis pas essayée en train de lui trouver des excuses ou des raisons à ses actes, mais si vous regardez par exemple sa dernière copine, bah, souvent les homosexuels refoulés, bah, ils aiment bien les filles super bodybuildées, enfin comptent vraiment genre des corps très masculins, des visages très masculins, voilà, et ça peut être ça, vous voyez ce que je veux dire, enfin... Bref, je ne vais pas après faire des comparaisons avec les stars qui sont comme lui, mais il y a beaucoup de stars, par exemple, il y a beaucoup de stars dans le football. On sait que le football, ben, malheureusement, il n'accepte pas encore l'homosexualité et que ben, du coup, ces stars-là sortent avec une femme trophée, mais que dans le fond, ben, ils aiment les d'autres filles, quoi. Et souvent, ça sort dans les blockbusters parce qu'ils les trompent. Ben,